sur la défense. Mais Adamou qui s'est retrouvé au sol, sorti Wipou. Carter. Il y a le surnom. Carter, oh, avec un énorme tempo de Sébastien Chabal sur Massoré. Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal. Hein. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas? Oui, ah, oui, je crois qu'il l'a défié du regard. Mais Massoré n'a pas répondu. Ah, c'est vrai que Sébastien Chabal était peut-être pas très bien rentré dans le match. Il avait fait quelques fautes de main. Mais là, il s'est rassuré. Et c'est du costaud. Et tout le public réagit hein, sur ces ralentis parce que en France, on est le seul pays où on voit pas les ralentis sur les écrans géants, mais ici en Nouvelle-Zélande, on le voit. Et c'était un beau plaquage. Oh, ce regard de Sébastien Chabal, qui, je vous le promets, est quelqu'un de très doux dans le civil. Ah, qui est très agréable, très sympa. Je crois que ces ballons tombés l'ont un peu énervé. Il faut qu'il fasse attention même Sébastien Chabal parce que ça a été noté par tous les autres joueurs en black. Il ne faut pas qu'il tombe. Il ne faut pas tomber maintenant. Mais c'était un plaquage très réglo. Oui, et puis qui peut vous remettre une équipe dans le sens du jeu. Hein. Donc, pénalité contre les Français. Alors, ça fait plusieurs fois que l'arbitre... Ah, le numéro 1, c'est Christian Califano qui se fait sanctionner pour s'être effacé à l'impact. Il est rentré son épaule gauche. Et les stats de Massoé, 21 mètres gagnés, deux plaquages, deux ballons perdus. Et Daniel Car-